La réussite, c'est d'avoir le choix, à quelque moment que ce soit dans sa vie et dans ses études, de voilà, avoir le choix de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà, c'est ça la réussite. Donc ça peut être selon le projet extrêmement varié. L'échec scolaire, de toute façon, c'est un moment T. Donc, on peut être en échec scolaire en CP, avoir des difficultés en CP, et puis après briller après baccalauréat. La réussite, c'est un étudiant qui a trouvé sa voie, que ce soit en filière courte, en filière longue, et qui fait une formation et qui va déboucher sur un métier qui lui plaît. Moi, il n'y avait pas d'échec, hein, déjà, mais des moments de rupture. Et que ces moments de rupture doivent être utilisés pour réfléchir à son parcours. Nous, en décrochage scolaire, on parle de moins en moins d'échecs, on parle plus de persévérance scolaire. Donc nous, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est la persévérance pour continuer le parcours et que justement la rupture ne soit pas vraiment consommée. C'est-à-dire que même si on a des moments de mou, qu'on puisse rebondir et donc qu'on s'installe pas dans l'échec. Hein, avant l'échec, avant le décrochage, qu'on puisse utiliser la rupture pour rebondir, éventuellement pour changer d'orientation, éventuellement pour changer ses méthodes, se faire accompagner par quelqu'un, faire un appel à l'aide, des choses comme ça. L'échec et la réussite sur une longue durée de temps ne sont pas forcément celles qu'on va avoir sur le court terme. Hein, et également parce que ça varie beaucoup suivant les valeurs des individus. Un échec sur le moment peut être vite transformé en réussite, et c'est aussi de ces échecs et de ces erreurs qu'on apprend. Donc c'est un mot que j'ai un petit peu éliminé de mon langage, parce que j'ai vu énormément d'étudiants effectivement en difficulté passer par ce service, mais qui, grâce à l'accompagnement qu'on pouvait mettre en place, grâce aux conseils qu'on peut leur donner, transforme l'erreur, on va dire, en réussite. Donc l'échec en tant que tel, faut vraiment être dépassé par les événements, avoir beaucoup de problèmes à côté pour ne pas transformer en fait l'échec en réussite. On apprend vraiment de ses erreurs tout au long de sa vie. De ses erreurs, on peut construire plein d'autres choses. Oui, bien sûr, mais à mon avis, c'est pas du tout automatique. Il y a des tas d'exemples qui nous montrent qu'on peut très bien avoir connu des échecs dans ses études et avoir une vie professionnelle très réussie et très heureuse et très épanouie. Hein. Non, fort heureusement. J'ai connu des parcours scolaires de réussite qui ne sont pas des parcours professionnels de réussite, et à côté de ça, j'ai connu des parcours scolaires d'échecs, entre guillemets, qui sont des parcours professionnels de réussite. C'est-à-dire, quand on regarde dans la vie des gens, on oublie leur parcours scolaire dans la vie normale. On oublie le parcours scolaire des gens. Et quelquefois, quand on interroge certains, on va voir qu'ils ont eu un parcours scolaire très chaotique. Ça ne les empêche pas d'avoir une super réussite professionnelle ou personnelle ou dans la vie. Quand même quelque chose par rapport à l'orientation. Et puis, effectivement, il peut y avoir des conditions de vie, l'obligation de travailler, des conditions matérielles peut-être un petit peu plus difficiles, également le fait de ne pas avoir été dans un environnement qui vous a aidé à avoir la même culture générale ou la même possibilité de voyager, sans doute aussi financièrement. Mais quand même, il y a toujours des exemples de personnes qui sont assez fortes, quoi, assez résilientes, et qui finalement surmontent ces étapes-là, alors que d'autres, qui quelquefois sont assez, qui sont assez favorisées, sont quand même en échec. Hein, donc c'est quand même complexe. Hein, pas sur un échec scolaire, manque d'assiduité, manque de compétences, motivation pour le travail scolaire, problèmes familiaux. Voilà, bah c'est un petit peu tout ça. Hein. C'est aussi un système scolaire qui a du mal à s'adapter à ces gens-là, hein, qui sont pas, qui n'ont pas les bons repères, les bons codes sociaux. Il n'y a pas une seule raison. Quoi, hein. Alors, les problèmes sociaux et familiaux sont importants. Un manque de compétences, je pense pas. Tout le monde a des compétences, mais parfois on a besoin de travailler ces compétences-là, donc du coup de les avoir aussi, de bien les connaître et donc de bien se connaître pour pouvoir les développer. Et c'est peut-être une des difficultés, c'est qu'on n'apprend pas suffisamment aux élèves, aux collégiens, aux lycéens à bien se connaître. La motivation est vraiment un moteur puissant en fait. Et si on n'a pas, on ne peut pas mettre du sens dans ce qu'on fait, ça ne donne pas envie de travailler non plus. Je trouve que ça va de pair, quoi. Je suis sorti d'un bac, c'était STG, et j'étais pas très très bon à l'école, parce que du coup j'ai eu mon bac avec rattrapage, avec 9,8.
Donc j'ai dû repasser au rattrapage et j'ai fini par l'avoir. Mais j'étais pas du tout scolaire. Et après, moi je voulais faire un BTS en alternance, mais je pensais pas avoir les capacités pour. Donc je l'avais présenté au premier chef d'entreprise que j'avais trouvé. Et sachant que je voulais faire de l'alternance, il m'a proposé l'école de vente interne et de faire un CQP avec l'école de vente interne à la boutique. Donc je suis parti 2 ans pour faire un premier CQP avec eux. Et après j'ai refait 2 ans, et celle-ci c'était en tant que chef d'agence, CQP chef d'agence, donc 2 fois 2 ans. Quand j'ai commencé mes CQP, je me suis tout de suite senti emballé. Autant je n'aimais pas l'école, enfin, j'étais pas allé dans les cours. Mais là, du fait que j'étais en alternance, dans ces CQP-là, c'était 1 semaine de cours sur, et 3 semaines de boulot. Et j'étais bien plus à l'aise parce que ça correspondait pile poil à mon métier. Et du coup, c'était plus intéressant que la théorie. Donc non, j'ai eu besoin de personne, je me suis emballé tout de suite que je suis rentré dans ces CQP. J'ai adoré tout ce que je faisais. Je me suis hyper enrichi. Après, dans ces CQP, l'avantage, c'est qu'on rencontrait des consultants indépendants. Ça, c'est hyper motivant. C'est ce qui m'a fait accrocher le métier. Le fait que je sois hyper autonome et justement indépendant, ça m'a servi parce que toutes ces démarches-là, je les ai fait seul. Donc ça m'a poussé à continuer tout seul sur ce chemin-là. Je pense avoir réussi parce qu'aujourd'hui, je suis chef d'agence chez un négoce de matériaux qui est hyper indépendant. Donc j'ai l'impression d'être quasi à mon compte. Je gère pas les comptes en banque, mais pas loin. Sinon, tout le reste, je le gère. Donc ouais, je pense avoir réussi dans mon domaine. Et je suis très fier de ça. Je peux accéder encore plus loin et c'est en bonne voie parce que dans les années qui viennent, je sais le poste que j'occuperai de chef des ventes. Parce qu'aujourd'hui, il y a tous ces commerciaux itinérants qui sont sur le terrain, qu'il faut épauler, manager et justement accompagner. Et il faut amener des nouvelles techniques de vente et je pense les avoir acquises grâce à ces CQP. Il n'y a pas forcément d'échec ou de réussite. Je pense qu'il faut savoir être... Enfin, faut trouver son job. Et être heureux dans son parcours, surtout. Parce que c'est pas question de réussir pour les autres, de dire on a réussi un parcours, tout le monde peut être fier de nous ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut réussir dans une branche où on est bien, où on se sent bien, et puis on n'a pas la boule au ventre le matin dans le bouchon. Du moment qu'on a ça, bon, ouais, c'est réussir. Ouais. L'échec, mais c'est quand on n'arrive à rien et qu'il n'y a pas de débouché, mais je pense que tout est possible. Si vraiment on bosse, il n'y a pas de raison. La motivation. Et puis il faut... faire preuve de rigueur et faut rien lâcher. Je pense pas et je pense aussi en être plus ou moins la preuve. À terme justement je voudrais devenir consultant dans la branche dans laquelle je me trouve, mais je voudrais pouvoir être consultant vraiment indépendant à mon compte et intervenir chez tous les négociants de matériaux et leur proposer mon approche. Et j'ai rencontré des gens qui eux font des études, là, j'ai rien compris parce que ça parlait master de machin de ci de là. Donc moi je suis pas du tout allé là-dedans, mais qui justement étaient dans le consulting. Et quand elles m'en ont parlé, je leur disais ouais mais je connais des gens qui ont le même parcours que moi, ils y sont arrivés. Et en fait elles m'ont gentiment dit oui en fait tu y arriveras aussi bien que nous et tu auras beaucoup plus d'expérience de terrain. Donc ça veut dire que l'université c'est bien, ça va leur donner plein de choses sur le juridique et autres. Sauf que mine de rien, on a une vraie expérience de terrain quand on a fait l'alternance. Donc je pense avoir une petite plus-value sur le marché si j'arrive à m'installer un jour et que je concrétise ce rêve. Ouais. Dans certaines écoles, je sais qu'il y a vraiment une cellule style.